nouveau cas d'enfant maltraité à Bambou pour la punir, Kamla Pakiri aurait ligoté sa fille de 8 ans sur un canapé. Cette mère de famille âgée de 36 ans a été placée en détention dimanche après-midi. Elle a été traduite devant le tribunal de Bambou ce lundi où une accusation provisoire de child ill-treatment a été logée contre elle. Kamla Pakiri a pour la suite été reconduite en cellule. Des voisines expliquent que dimanche, l'enfant a été battu et traîné dans la rue. Elles disent avoir alerté la Child Development Unit à plusieurs reprises. Alors, ça se fila hier, ce moment avait fait une commission, l'interdit. Et ce moment, il y a une route, il y a un chemin, il bat, il entraîne, il y a un bon coup de poing sur les deux, sur la tête. Il récite sur les bras, il tourne sur les bras, pas même qu'il n'est pas sur les bras incarcés. Ces enfants-là, déjà à l'hôpital, et plusieurs fois, ils battent ces enfants-là, ils entraînent ces enfants-là, à une bonne distance, depuis que Tina avait dit, faire commission, puis amène que lui. Et quand ils rentrent là, quand Banjimoun s'y paye en pestri, ils battent Banjimoun coup de rose, ils peuvent dire à ces enfants-là, ce petit, ils ont le droit de rester ce petit peut traîner. Hier, je suis passé au chemin, une nouvelle madame qui peut battre ses enfants, elle peut traîner au chemin, elle peut réussir par ce CV. Qui moi ici, moi j'ai des chiffres, moi pendant qu'avant tout ça, qui voulait qu'elle fasse ma colline à cap ça, chiffres, soit amène tout ni comme ça, une tourne à mes chiffres, puis soit amène bat chiffres à couper sur la tête, dans partout, puis battre les coups pieds tout, moi pendant qu'à trouver, mon gars, puis même une chiffre, et même une chiffre, il commence jour moi, gros bêtises, première fois moi tu vois un enfant qui est battu comme allez mon avis avec ce maman, ce propre maman. La victime, qui semblait traumatisée à la vue des enquêteurs, a confié que sa mère l'a frappée. Elle a été hospitalisée et a été prise en charge par la Child Development Unit. Sollicitée pour une réaction, la CDU confirme être au courant du cas et explique que des officiers faisaient le suivi dans cette affaire.